Dans le cadre de projets de réhabilitation de bâtiments dans leurs centres-bourgs respectifs, les communes de Landiras et de Cognac ont décidé de créer des espaces de travail partagés. Le tiers-lieu, c'est en fait un outil parmi une politique que la CDC veut mettre en place pour l'accueil des entreprises. En fait, le système, ce qui est intéressant à explorer, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le salarié ou la toute petite entreprise a deux solutions. Soit il travaille dans son entreprise, soit, pour certains salariés, il travaille chez lui en télétraitement ou chez lui en tant que petite entreprise. Le tiers-lieu, c'est une situation un petit peu intermédiaire, puisqu'en fait, on n'est pas noyé dans un grand ensemble, on n'a pas de longue route à faire pour aller jusqu'à Bordeaux. Et en même temps, on est proche d'un certain nombre de personnes qui sont dans la même situation et c'est un lieu d'échange. Ce n'est pas une fin en soi non plus, c'est aussi un lieu dans lequel des gens passent. On n'a pas vocation à passer sa vie forcément dans un tiers-lieu. C'est un peu comme une pépinière d'entreprise. Hein. C'est aider des gens à démarrer et à se lancer, notamment pour les petites entreprises. Le développement d'outils comme le tiers-lieu ou d'autres outils vont nous permettre peut-être de rééquilibrer, de faire en sorte que des emplois se créent et que, effectivement, ça fixe, comme vous dites, plus la population. À Landiras, on a bien compris l'intérêt de créer un espace de travail partagé. La demande, ici, est très importante. Il y a beaucoup de gens de la CUBE et de la périphérie de Bordeaux qui sont venus faire construire chez nous, d'abord parce que c'est moins cher, et ensuite, surtout pour la qualité de la vie. Mais il y a un revers hein, dans toute médaille, c'est qu'il faut faire 40 km pour aller travailler à Bordeaux. Donc il y a beaucoup d'épouses en particulier qui ont pris ce télétravail, hein, qui travaillent à domicile, parce que bien évidemment, quand on travaille à deux à Bordeaux, ça fait deux voitures, hein, ça fait beaucoup de frais. Et rapidement, ils s'aperçoivent qu'en travaillant à la maison en télétravail, ça marche fort bien. Alors moi j'ai toujours été indépendante, professionnellement j'ai été indépendante sur Paris, sur Bordeaux, sur Landiras, et donc, pas partout, voilà, Paris, Bordeaux, Landiras. Et donc en fait j'ai eu l'occasion de m'intéresser au nouveau mode de travail, à cette nouvelle qualité de travail. L'idée étant de travailler à la maison, c'est un confort, mais il ne faut pas que ce soit un isolement. Donc je me suis retrouvée avec une communauté de gens partout où j'allais qui avaient finalement la même problématique et les mêmes questions sur la qualité du lieu de travail, la qualité du travail, la qualité de vie. Et donc, en surfant sur internet, je me suis aperçue qu'il y avait des nouveaux modes de travail. Donc je suis allée voir, et notamment à Bordeaux. À Bordeaux, il y a un lieu qui est assez connu qui s'appelle le Node dans le vieux Bordeaux. J'ai eu l'occasion d'aller à des manifestations là-bas, j'ai vu comment ils travaillaient, je connais des gens qui y travaillent et ces gens travaillent très bien, beaucoup, et dans un cadre idéal avec une qualité relationnelle et une qualité de travail géniale. J'ai eu l'occasion d'aller voir d'autres lieux comme Darwin aussi qui est quand même à Bordeaux maintenant, est un modèle même au niveau français, voire au-delà, puisque pas mal de monde vient étudier ce modèle, c'est considéré comme un écosystème de travail. Et puis après, je me suis dit que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillaient en télétravail en zone rurale, et je trouve qu'en zone rurale, ça a une légitimité, une raison d'être peut-être encore plus importante qu'en ville. En ville, c'est vraiment le souci premier pour les personnes qui viennent travailler là, c'est d'avoir un lieu et de rompre l'isolement.
Prégnac, les travaux d'aménagement du bâtiment ont déjà commencé. La livraison est prévue d'ici à la fin de l'année. Ici, le projet de tiers-lieu s'est imposé comme une évidence. Il servira à la redynamisation du centre-bourg. La réflexion, les appartements avec... nous avons rencontré les agences, enfin l'agence qui gère nos loyers. Donc c'était un peu inquiétant de mettre des T2, des T1. Donc on a dit il faut trouver une autre solution. Donc une partie appartement, une partie tiers-lieu, qui semble quand même convenir mieux sur le site de Prégnac, proche de Langon. Et on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose sous cet étage-là qui favorise les entreprises, qui peut aider les petites entreprises, les artisans, les auto-entrepreneurs, les particuliers, les associations. Et on a trouvé le projet très intéressant. Nous, il y a eu un contact avec une personne qui est universitaire et qui cherchait effectivement un lieu pour pouvoir venir travailler, ne pas être obligé d'aller à Bordeaux tous les jours, et venir travailler dans un lieu où il y a tout ce qu'il faut finalement, il y aura la fibre qui passe, donc il y a internet à très haut débit, il y a tout ce qu'il faut, il y aura une imprimante, une photocopieuse, il n'y a plus qu'à se brancher à l'ordinateur, quoi, c'est tout. Hein. C'est quelque chose de clair en mer. Ça, on verra dans la prochaine. Oui. On a des idées, mais il faut. Notre fil rouge pour ce projet du premier étage, c'est véritablement ancrer Prégnac dans une dynamique économique, voilà, avec une dimension économique au niveau de Prégnac. Ça va être un peu l'image phare, cette maison de vignerons qui se situe au centre-bourg pour à la fois remettre de la vie un petit peu au cœur de Prégnac et à la fois aussi ce que les personnes s'arrêtent à Prégnac et puissent aussi se poser, y trouver un lieu économique des compétences, pourquoi pas un point de formation, quelque chose de très convivial où les personnes puissent après travailler ensemble ou sur des projets avec... J'allais dire du matériel performant.